Caleb, il est beau quand même. Bon, bon, ben on sait déjà Caleb Robin, la chum! Je voudrais juste mentionner que ça va être la seule vidéo YouTube concernant l'occupation double de ma chaîne YouTube, probablement. J'ai-tu dit deux fois YouTube? Je sais pas, mettre un invité spécial. Ah! Voici Pascal! Bonjour Pascal! Hello. Comment est-ce qu'elle va? Ça va bien! Ça yeah! Va bien. C'est Pascal, je sais pas si vous en êtes rendu compte. On a collaboré en plus pas tant longtemps. Non, mais ça se concerne trop aussi, on est tout le temps ensemble. On s'est pardonné nos trouvailles dégueulasses, la gang. Je tiens à le mentionner, parce que vous étiez plusieurs. En fait, moi et Pascal, on a fait un swap de vêtements friperie. Mm-hmm. On s'est offert des cadeaux de friperie. Je trippe pas tant. Mais là, il est beau! La mode, c'est le carotté! Et le vert, c'est la couleur de l'été. Mais je trouve vraiment ça fait Serge va jouer au golf, genre, tu comprends? C'est clairement Serge va jouer au golf, il y a pas chaud là-dedans. Il y a un Serge qui a pas chaud là-dedans. Malheureusement, tout ce qu'on s'est offert, c'était fucking laid. Ouais. Puis vous étiez comme surpris. Vous disiez, crème, les filles, ils s'aiment pas. Mais non, c'est ça. On s'aime nous. On aimait pas ce qu'on s'est acheté. Pas les bonnes stylistes pour l'autre. Mais en fait, moi, c'était pas un bon jour de friperie. Tu sais, des fois, tu vas au magasin en friperie, il y a rien. Puis des fois, en c'est vrai. C'est vrai. Mais là, non. Ben là, non. Ça se donnait pas. Non. Fait que nous voilà ici aujourd'hui, ensemble, présentes sur ma chaîne YouTube pour jouer à un petit jeu qui s'appelle. Fuck Mary Kill! Édition Occupation 2! Dans l'Ouest! Oui, fait qu'on a mis absolument tous les joueurs et les joueuses. Fait que c'est un classique de jeu, mais je pense que ça va être le fun pour voir justement c'est quoi notre feeling par rapport aux participants. Là, on fait aussi avec les filles. Toi, t'es bi. La question n'était pas directe. Je me considère pas bi. Tu sais, des gens qui aiment, qui sont bien quand ils sont étiquetés à quelque part. Mm-hmm. Que ça soit très clair, peu importe comment ils sentent, mais qu'ils sentent qu'ils appartiennent à un groupe, genre. Moi, c'est vraiment le contraire. Mm-hmm. Je suis en mode, genre, j'ai pas envie de porter le chapeau d'hétéro, bisexuel, queer, ou whatever, quoi. Mais tu sais, l'affaire aussi, c'est que les deux, en ce moment, on est bien setés dans des relations. Mm-hmm. Moi, en ce moment, je me vois pas, genre, plus tard avec une fille, tu sais, je me vois avec mon chum. Ouais. Mais, tu sais, mettons, avant d'être en couple, j'étais peut-être comme, ah, oh, si un jour ça arrive, ça arrive. Ben oui, mais je pense qu'il faut pas fermer la porte. Si ça arrive, puis ça devait arriver, puis t'as-tu. Moi, c'est ce que je pense. Tu sais, si mettons, ça arrive que Miley Cyrus cogne à ma porte, puis elle veut faire un trip à trois. Moi, ma porte est ouverte, of course. Exactement, là. Tu comprends? D'ailleurs, on va la laisser débarrer au cas où. Au cas où que Miley Cyrus arrive. Si jamais. Non, un bébé qui pleure. Ouais, ta gueule, man. Il y a même pas de bébé dans mon bloc. C'est-tu un bébé fantôme? Bébé fantôme. Ah non! Parce qu'on a fait une vidéo sur la chaîne à Pascal qu'on vient de filmer sur le paranormal. Fait que là, en tout cas, allez l'écouter après, avoir écouté celle-ci. Mais pas mal, là. Nos gars, on va jouer à un jeu. Let's go! Tu veux-tu commencer? Ouais. Ok. Donc, on a Sabrina, on a Jenny et on a... Ouh, les filles! Jackson! Jenny, en ce moment, j'ai pas checké OD la semaine passée, mais comme elle est full pop-up, je pense que ça va être ouais. Tu crois que c'est passé? Elle a quand même une personnalité très pétillante. Ok. Puis c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, genre. Fait que, of course, ça fait pas l'unanimité. On regarde là parce qu'on a mis les images. Sabrina! 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 C'est Sabrina. Non. Moi, c'est pas ma prête. Juste parce qu'on est tellement même, les filles. Mettons, moi, j'ai parlé avec Claudie, puis Matt a couché avec Sabrina. Oh, c'est elle, oui. Ouais. Okay, puis, ouais. Quand j'ai su ça, j'ai tellement trouvé ça drôle, genre, j'ai parlé à Cédric, mon copain, qui m'a dit « Ah, oh, mais moi aussi, Non! Non! Ça, elle a pas couché avec. Mais elle a demandé plusieurs fois d'en date, puis tout, tu sais. Là, j'étais comme « Ah, oh, ben tabarnak, c'est elle qu'on aime pas cette année. » Mais genre, c'était okay, un bon, personnel. Ben, qui est Sabrina? Elle a l'air chill, là. Oh, mais Sabrina, désolée. Hein? Solidarité, solidarité féminine! Cochonne! Cochonne! Il reste Jackson et Jenny. Jackson, je la connais pas. Ah non, t'es connais toute pas ma belle. Regarde, Jackson! Physiquement, c'est pas mon genre. Je trouve pas qu'il y a des traits qui m'attirent, genre. Mais là, c'est ça, je peux pas le tuer. Jenny est fucking belle, tu sais. Elle est cute. Elle a vraiment des beaux yeux. En même temps, si tu me dis genre qu'elle a déjà de la chicane après une émission, je suis en même... Elle a pas de la chicane. T'sais. Je pense que, justement, c'est une fille... C'est une bonne chasseuse, maintenant. Elle sait ce qu'elle veut, la chum. C'est pas négatif. Et bien, peut-être que je me marierais avec Jenny parce que, genre, tu sais, elle a une belle personnalité et tout. On préfère des fun dates. Fait que tu vas fourrer Jackson. Bon choix. Oh, petite co-fun. Ok, alors, j'ai pigé Audrey, Alex, l'entraîneur. Ça vaut pas, il est beau. Ah oui? Moi, c'est pas mon genre de gars. Et Rachida. Je vous avouerais que Rachida me laisse ni chaud ni froid. Dans le sens où, comme, je trouve qu'on l'a pas tant vu encore. Fait que, pour cette raison, je pense que je vais la tuer. Bye, Rachida. Mais c'est pas violent, c'est pas une mort violente, c'est juste une mort de comme, je te connais pas assez, faut
faut apprendre à se connaître plus avant que je te fourre ou que je te marie, tu sais. Genre pas au boucher, mais comme, tu sais, genre pas loin. À la prochaine. Ok. Je, sans aucun doute, marie Audrey. Je la trouve vraiment nice, je trouve qu'elle est très authentique, pis j'aime ça d'elle. Fait que je la marie. Puis Alex, l'entraîneur, je le fourre parce qu'il est pas laid. Mais il me laisse aussi indifférente, genre. C'est pas mon genre de gars dans la vie. T'aimes le grand gars? C'est quoi toi ton genre de gars? Moi j'ai vraiment un faible pour les gars aux cheveux longs. Ah ouais, moi avec. Ouais. Grand. Plus grand que moi, tant qu'il est plus grand. Moi parce que moi je suis 5 pieds 7, fait que tu sais, des fois ça fait même un peu saut là. Ben oui. Ok, it's your turn. Ok, j'ai Frédéric. Ça je sais que c'est une fille... C'est un gars. Ouais. Ok, mais il y a une fille, Frédéric, non? Nope. Mais je trouve qu'il a l'air peut-être un peu superficiel. Et moi, là, c'est parce que l'affaire, c'est que j'ai un don pour ça, là, c'est que je regarde leur face, là, je pourrais leur faire une vie au complet, genre. Mais il a l'air de comme, tu sais, d'être le gars, genre, vraiment fin, tu sais, qui sent beaucoup le parfum, genre, attirant et tout. Mm-hmm. Tu sais, que genre, première date, il te fait à souper et tout. Mm-hmm. Mais dès qu'il est avec, c'est encore lisse. Ben, honnêtement, tu vois, moi, j'ai skié sur le parfum. C'est vrai qu'il y a un gars qui met du parfum. Ouais. Hein? Je serais pas surprise de le rencontrer puis ça sent au pied carré. C'est vrai. J'ai aussi Steven et Patrice. Oh, t'as des gars! Parce que Steven, je vais l'éliminer pour sa chemise. Je suis désolée. Ok. Ouais, c'est t'as vraiment que t'es hard. Regarde ici. Fait qu'on a tué Steven. Ben, on. Ouais, pas moi, moi j'ai rien fait. Regarde, tiens, on fait ça ensemble. Ok, on fait ça ensemble. Et après, il y a Patrice et Frédéric. Je pense que physiquement, Frédéric, ça serait plus mon genre. En même temps, Patrice, il est chaud. Je pense que je fuck Patrice et je marie Frédéric. Ouais, je comprends. Même si Frédéric a l'air de comme crier à sa blonde de faire son déjeuner. Mais moi, Patrice, je le trouve vraiment cute, physiquement, mettons. J'aime ça, ses tatous, j'aime son style. Je sais pas si t'as regardé son Instagram, mais il y a vraiment un Instagram liché. Oh, genre, on dirait un influenceur. Genre, il est plus professionnel que moi. Là. Ouais, ouais. Mais honnêtement, j'ai l'impression qu'il voulait être influenceur. Okay, genre, je vais vous mettre son Instagram ici, là, genre. Comme, le gars, il connaît la game. Là. Okay. Il la connaît plus que nous, no joke. Ben, voyons. C'est à s'y méprendre. Faut se méfier de Patrice. Il va prendre tous nos contrats, ça, clairement. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai, là, Calé. Ça retourne chez toi. Ok, Inès. Ah. Inès, je trouve qu'elle ressemble à Rim, passion 2. Ouais. Mais j'aime full sa vibe, pour vrai. C'est une de mes préférées à date. Ouais, je l'aime bien. En plus, pourtant, au début, tu sais, moi, mettons, je suis pas tant princess girl. Mm-hmm. Je sais juste que ça me rejoint vraiment pas. Puis, tu sais, dans son profil, elle disait, je serais une princesse, blablabla. Puis, j'étais comme, moyen. Mais je trouve qu'elle a full une belle petite personnalité, toute douce. Genre, elle a l'air d'une gentille, bonne personne. Tu sais, full comme. En tout cas, fais attention à ses proches. Si t'as marié, elle va pouvoir te faire des beaux make-up. Ouais, elle va m'aider à ce niveau-là. J'en ai besoin d'aide. Amélie, j'ai quand même cute, honnêtement, Amélie. Elle me laisse pas ni chaude ni froide. Moi, je trouve que ça a l'air genre d'être l'amie qui a comme à tirer les cheveux quand tu dégueules sur la petite maman. Ben moi, j'en aurais vraiment besoin parce que je vous bouge tout le temps. Fait que tant mieux, c'est un super bel argument. Antoine qui est l'hypnotiseur, qui est le fils de Mesmer. Lui, il me fait littéralement peur, là. J'étais pas bien dans une pièce là. Ah! Moi, je le trouve quand même cute, pour vrai. Il me fait peur, je sais pas pourquoi il me fait peur, genre bad vibes. En plus, ça, dans sa vidéo de présentation, il était comme... J'étais comme, voyons donc! Ben, il voulait t'hypnotiser, il voulait t'avoir, ça a pas marché. Ça me donne de l'anxiété. Mais je pense que je vais kill Antoine, je suis désolée, parce que à cause des propos que tu viens de dire, ça m'a turné off, mais c'est ouf. Moi, je le trouvais cute, mais les deux autres filles, je les trouve vraiment nice, fait que je vais pas les kill. Girl power, you know what I mean? Fait que je pense que je vais fourrer Inès, parce que j'en trouve vraiment chaude. Puis je pense que je vais marier Amélie, parce qu'elle va maintenant les cheveux, puis ça a été un argument béton, ma chum. Mais c'est vrai. C'est important. Faut mettre les cheveux. Tu sais qu'elle va faire des petites tartes aux pommes réconfortantes. Mais je suis allergique aux pommes. Caroline, la danseuse. Okay. Yannick et Vanessa. Ah oui, j'ai... Spécial. Non, je l'aime pas, elle. Ah oui? On dirait que les trois, j'ai comme des bad feelings. Mais j'avoue que les trois, c'est pas mes préfs, moi non plus. Tant qu'à être dans l'honnêteté totale, voilà. C'est dit, c'est pas mes brefs. Mais Vanessa, elle me fait peur. Mais même, t'as bien peur dans le fond, toi. Mais Chris, check sa photo aussi, on dirait qu'elle va. Check, elle a des yeux d'aigle, on dirait qu'elle veut me tuer, genre. Je fuck Yannick et je vais marier Caroline. Ok, tu kills Vanessa. Alors, Claudel. Oh, elle est tellement belle. Elle est belle, hein? Non, vraiment très belle. Pierre-Alexandre, c'est le pilote d'avion. C'est toujours un pilote d'avion à chaque année, c'est un prérequis. Genre. Moi, je trouve que ça ressemble vraiment à Yannick, le Pierre-Alexandre. Mais je suis d'accord. Pierre-Alexandre, Robin, puis Yannick, je suis tout mêlée. Je vais les mettre ici, avouez, ils sont pareils, genre. C'est, je suis pas bien. Mais peut-être que justement, en apprenant les connards, qu'on va vraiment les différencier. Donc, comme ça va audition faire comme... ouverte à tous, ils ont genre copié-collé trois fois le même jour. Et Joliane, ben honnêtement. Elle est fucking belle. Ouais, elle est vraiment belle. Elle est vraiment fucking belle. Ben,
Hey, là, j'ai l'air conne, je fais juste kill les boys. Attends, c'était qui l'autre? Claudel. Oh mon dieu, je suis difficile. Ouais, non, Pierre-Alexandre kill. Non, c'est ça, je me sens mal parce que je prime toutes les gars. Ok, fait sorry Pierre-Alexandre, mais je te kick out parce qu'en ce moment, j'aime plus les filles. Mais je pense que je vais fuck Claudel parce qu'elle est vraiment vraiment chaude. Mais honnêtement, non. Vois-tu, je pense que je vais marier Claudel. Parce que moi, je pensais, là, ça c'est complètement un préjugé, mais vu qu'elle est mannequin, mettons, je la connais pas personnellement, mais tu sais, je sais c'est qui des réseaux sociaux. Puis je pensais que c'était comme la classique belle fille, mais qui est pas nécessairement drôle, qui a pas nécessairement une grosse personnalité. Puis à date, elle me surprend vraiment. Fait mais juste son tape de la marie était nice. Genre. Ouais, honnêtement, j'aime sa manière de s'exprimer. Je trouve qu'elle a l'air vraiment cool. Sensuelle. Je pense qu'on pourrait être amis dans la vie. Mm-hmm. Fait bref, quand si je la marie, si jamais tu veux venir faire un studio avec nous. Je suis comme Claudette, s'il vous plaît, je me cherche des nouveaux amis. Please. Puis Joliane, je vais coucher avec parce que je la trouve vraiment belle, mais en ce moment, je trouve qu'elle a le moins de personnalité que Claudette. Fait que pour cette raison, je vais prendre Claudette. Ouais. Voilà. La queen, ok. Alexandre. Moi, honnêtement, Alexandre m'a agréablement surpris. J'aime quand même son Fait que j'étais genre, I'm next. Il meurt! J'étais genre, elle doit pas penser qu'on parle du même. J'attendais du bon, que tu dises de quoi. Ben, j'étais vraiment, je comprenais rien. Je pensais que c'était de tromper personne. Ouais, non, Alexandre, c'est lui qui a eu des gros scandales sur lui en ce moment. Non, c'est vraiment des gros scandales. Comme tout le monde commente, moi aussi je le connais, il est très violent, très désagréable. Il m'a forcé à faire chez moi. Ouais, ça a l'air qu'il est pas. Ben, en fait, pas ça a l'air. Il est visiblement pas nice à kiffer parce que sinon il n'y aurait pas autant de commentaires. Ouais, exact. Mais je pense que je marierais à Alexandre parce qu'il a l'air trop nice. Hein. Mm-hmm. Il faudrait plus de temps. Ouh, c'est bien poli, c'est bien gentil ce que tu viens de dire. Hein. Puis Kathleen, t'as-tu fait Kathleen, même, il y aurait juste ça. Ok, fait que c'est dernier tour, la gang, ça donne bien, est-ce qu'il en reste trois? Ouais. Ça donne bien. Ok, Robin, Nicolas, Nick! Nick, c'est un des bons amis. Ok, mais ça, je me suis dit que ça serait ton type physique, genre, que t'aimerais le plus. Mais honnêtement, tu sais, c'est un de mes bons amis, fait que comme on s'entend, j'ai pas d'attirance. Non, j'ai rien que je savais que c'est jamais rien passé, là. Mais comme, pour vrai, physiquement, c'est lui que je trouve le plus beau. Parce qu'il a les cheveux longs, genre, il a vraiment un beau style, il a des tatouages, mais comme. Moustache, là, ça allait me chercher. Même d'ailleurs, au début de l'année, j'ai fait mes goals. J'ai écrit ne pas sortir avec le gars juste parce que c'est une petite moustache. Impossible. Pis Luca. Ok, fait que tous des gars encore. Luca, il a de l'air, je trouve, t'as un golden retriever. Vraiment, c'est tellement pas négatif. Non, tellement non, c'est nice, ça, il a de l'air gentil. Ok, mais je pense que je vais marier Nick parce que je l'aime trop, il a tellement une belle personnalité. Puis vous allez le découvrir au fur et à mesure de l'aventure. Nick a vraiment une belle personnalité. Fait que non seulement il est beau, mais il est vraiment cool. Non, Marie. Fait que je te marie mon couche pensante parce que j'ai un chum, Nick. Puis toi, tu vas peut-être avoir une blonde en revenant. Sinon, je pense que je vais fuck Luca et kill Robin. Bon, juste parce que Robin j'en connais pas assez en ce moment. Trois saisons facile, aussi, Robin, je suis pas une fille facile. Mais là, pour de vrai, genre, j'ai vraiment peur que les gens on est comme, hey, on les adore, ça devient des astuces de crazy bitch. Ouais, mais là, on peut pas deviner ce qui va se passer, la gang. Fait que si jamais il se passe des affaires négatives après qu'on ait fait cette vidéo-là. Non, c'est ça. On n'en a pas tenu compte dans la vidéo. Hein? On n'est pas responsable pour les dommages. On n'est pas responsable. Fait que sur ce, j'espère que vous avez aimé parler d'un peu l'occupation double de notre feeling par rapport à ça. Tout le monde aime ça. Au début, c'est la religion du Québec. J'en reviens pas à quel point tout le monde écoute l'occupation double. J'en reviens pas à quel point tous les youtubeurs font des vidéos là-dessus. Fait qu'en tout cas, j'en aurais fait une. Puis allez voir la vidéo sur la chaîne à Pascal. On a fait une vidéo épeurante. On parle de paranormal. Fait qu'écrivez dans les commentaires si vous voulez que Pascal revienne. Maintenant que vous avez compris qu'on s'aimait, si on s'aissait pas. Ça, on s'habille juste mal, c'est tout. Ouais, on n'a pas de goût, mais on s'apprécie quand même. Bonne journée! Bye! Cringe! C'est la peine, mais c'est la meilleure. Bye!